Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon frère Sur, mon Mich. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui, Michou? Là je viens d'arriver. Moi, je pense qu'ils ont vu le titre, la vidéo et tout, ils vont bien. Du coup, c'est parti, on va vous expliquer le concept de la vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les frères? Aujourd'hui, on va faire un cache-cache dans toute la France. Voilà. On a posé les bases, cache-cache dans toute la France. Il y a des petites règles. Déjà, ça va être très simple. La personne qui va se cacher aura un jour entier pour se cacher, d'accord? Et bah, le premier épisode, ça sera Inox qui va aller se cacher. Tu auras toute la journée pour aller te cacher. Mais t'auras une contrainte. Tu peux te cacher dans toute la France, mais t'auras une contrainte d'argent. Et ça peut piquer très 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 fort. Voilà, exactement. Parce que en fait l'argent, ça va déterminer si déjà tu vas bien dormir ce soir. Si tu vas bien manger. Si tu vas pouvoir aller te cacher loin, si tu vas bien manger. L'argent, c'est incroyable. Ça détermine. Là, ça détermine tout. Là, ça détermine. L'argent tout. Pour cette vidéo fait le bonheur. Je pense que là, elle va faire le bonheur. Mais celui qui va chercher, c'est-à-dire demain il va se lever tôt et il va dormir chercher jusqu'à la fin de la journée. Il aura toute la journée. Voilà. Par contre, celui qui va chercher aura pas le droit et utiliser son téléphone pour trouver le plan. Il aura pas le droit d'utiliser le plan. Il sera pas le droit d'utiliser le GPS, voilà. Ou quoi. Pas le droit de GPS, rien, il devra demander le chemin aux gens. Par contre, c'est vous qui allez aider Michou à me trouver. Et pareil pour l'épisode 2, qui sera le lendemain de cette vidéo sur la chaîne de Michou. Exactement. Où c'est moi, vous allez m'aider. Et ainsi de suite. C'est moi qui me cacherai, quoi. Voilà, c'est toi qui vas te cacher. Sachant qu'aujourd'hui j'ai toute la journée pour me cacher. Du coup, il y aura 3 indices pour cette vidéo parce que ça va être chaud à nous trouver. Bah sinon c'est impossible. C'est impossible. Du coup, il y a obligé d'avoir des indices. Sachant qu'on a une journée pour trouver. En tout cas, le premier indice, ça va être une énigme. Je vais devoir confectionner une énigme pour que tu trouves la ville. Je vais la mettre sur Instagram. Les abonnés pourront aussi la chercher et t'aider. Du coup, vraiment là, il y a l'interaction. Ensuite, deuxième indice, fais une story. Une story dans le quartier, voilà, de la ville. C'est-à-dire, je ressente le périmètre. Savoir un petit peu vers où il est. Voilà, c'est ça. Et le dernier indice, c'est un bruit. J'ai fait un vocal. Tu vas m'envoyer un vocal. Un petit vocal. Et ça peut être par exemple un bruit d'oiseau ou je sais pas. Le bruit d'une poubelle. Le bruit d'une poubelle si je suis cassé dans une poubelle. Voilà. Tu vois. Donc voilà, il y aura 3 indices. Et si jamais on voit que Michou galère, je ferai d'autres indices sur Insta, etc. Ouais, on verra, on improvise. On fera une impro. Ou ce qu'on va faire, parce que celui qui va se cacher aura une contrainte d'argent. Voilà. Il faut poser les bases. Bah, faut donc, savoir avec combien d'argent. Combien? Mais c'est vous qui allez choisir l'argent parce que vous allez choisir un nombre de 1 à 500. En direct sur Instagram, on prendra un abonné au pif. Il va choisir 1 et 500, on lui dira pas que c'est de l'argent. Voilà. Et là, le sort est entre vos mains. Et je propose un truc, les frérots. Michou, je te l'avais pas dit avant de faire la vidéo. Si cette vidéo, attends. Faut viser haut, gros, pour une vidéo comme 300 ça. 300 000 pouces bleus, là, tu parles. Ouais, on fait cache-cache dans le monde entier. 300 cache-cache dans le monde. Dans le monde entier, gros. Chaud. C'est chaud, je suis chaud. C'est validé ou quoi? Trop chaud. Hop, vas-y, c'est carré. Bon, du coup, c'est parti. Sans plus tarder, on va lancer le direct sur Instagram. Ouais, mais en fait ça défile, t'as trop putain. De demandes, gros. Ah, j'ai trop de demandes. Vas-y, ok, vas-y, refais. Je fais vite. 1, 2, 3. Éclaté. Hugo, tu nous entends ou pas? Oh, ça va ou quoi, le rêve? Hugo nous entend bien. Gros, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour choisir un chiffre entre 1 et 500. Réfléchis bien et tu le dis, ok? Ok. Tu me dis quand t'es prêt. Est-ce que tu stresses là? Oh, putain, je stresse. Là, les gars, on peut pas vous dire pourquoi, mais là, Inox est stressé, là. Là, je stresse, là, pour le chiffre. Oh là 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 là. Fais le bon choix, gros. 350. Oh, la chatte! Ah, là, j'ai une chatte de démon, gros. Ah, tu m'as mis bien, là, mon frérot. Hein. Bon, bah, merci, gros. Hein. Vas-y, chaud, le ref. Ok les frérots, donc là j'ai exactement 350 € pour me cacher. Ouh, je peux aller me cacher, sachant que je pense que je peux prendre un billet pour partir. Je peux partir loin. Là le but, faut qu'on parte vraiment loin parce qu'on a de l'argent. Tu vois, on a la chance d'avoir l'argent. Donc 350, on va regarder les billets pour aller à Marseille ou un truc comme ça. Il fait beau Marseille? Non, on va regarder s'il fait beau. On va regarder s'il fait beau. On part en voyage là, on va partir en voyage, ok. Du coup, les gars, on part à Marseille. Du coup, ça c'est sûr, on part à Marseille. Mais où on peut se cacher à Marseille? Alors ça. Ok, sachant que Michou aura pas de plan pour me trouver, en fait, faut que je lui donne quand même la possibilité de me trouver. Du coup, à Marseille, moi j'avais souvent envie de me cacher sur un bateau. Sur un bateau? Bah oui, c'est une dinguerie. Genre sur le port ou un truc comme ça. Soit je me planque sur la place principale en mode je suis déguisé, genre. Ça peut être lourd de ouf. Validé. C'est une dinguerie. Ok, donc là les gars, j'ai pris mes billets. On se barre loin, je dis pas fort parce qu'il y a Michou dans le studio à côté. On se barre, c'est parti, on se retrouve dès maintenant dans l'aventure du je dois trouver une cachette. C'est parti. D'ailleurs les petits refs, n'hésitez pas, ceux qui sont pas abonnés, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et mettre la cloche et vous abonner à Michou aussi. C'est parti, j'y vais. Bon bah les gars, c'est parti, j'ai pris les billets et tout, on se barre de Webedia, let's go. Wesh. Bon, bah j'y vais gros. C'est vrai? Bon voyage hein. Tu t'en vas là? J'y vais gros, c'est fini. Attends, je ferme la porte, j'ai oublié de fermer la porte. On met la ceinture les gars, les choses importantes. Priorité à la ceinture, on la met bien. Bon les gars, j'ai regardé, j'ai mon train dans une heure. Donc j'ai le temps d'aller me faire un petit McDo, c'est parti, dégustation de Mac. Bon du coup là on est dans le McDo les frérots. Regardez les designs comment ils sont stylés. Mais ça c'est que... Moi je voyais pas ça à Paris moi, y a pas des designs comme ça frère. Du coup, mon petit McDo, petite dégustation, j'ai pris Big Mac. Ouais, c'est bizarre, regardez l'emballage. Je tape un vrai croc de folie. Mais avec McDo, c'est la vie. Je crois que sans McDo, je vis pas. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'en ai eu pour 12,60€ le McDo. Ça veut dire, on peut enlever 12,60€ à la cagnotte. Ok, bon, c'est parti. Si on est pas bien...
Mais les gars, dites-moi, on serait pas arrivé à Marseille? On serait pas à Marseille là? Les gars, 4 heures de train, je suis enfin à Marseille. Là, je viens d'arriver à la gare. Je vous avoue, je suis un peu paumé d'où je suis descendu. Du coup, là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Où j'ai eu une petite idée. Je me suis un peu. J'ai un peu réfléchi dans le train pour trouver une petite idée où me cacher dans Marseille. Parce que c'est vrai que Marseille, c'est grand. Et je pense que pour Michou, ça va être très galère si je me cache n'importe où, tu vois le délire. Donc, du coup, pour me cacher, j'ai élaboré une stratégie. Déjà là, on va arriver vers le centre-ville, Canabière, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je pense qu'on va se cacher là. Mais en fait, comment ça va se passer? Je vais pas aller me cacher dans une stratégie, dans une planque. Je pense que je vais aller dans des magasins. Je vais me refaire un nouveau look. Tout nouveau look. Pas de jogging, jean, chemise. Je vais acheter une perruque, une moustache, des lunettes, une casquette. Et le but, c'est de passer incognito. On va se planquer sur une terrasse. Genre, on va rester sur la terrasse. Et on va attendre que Michou passe. C'est-à-dire que demain matin, je devrais tout me préparer pour pouvoir lui faire. Pouvoir en fait le filmer quand il me cherche. Je vais l'appeler, je vais dire ouais, je te vois et tout. Sans que lui me voit. Et je pense que ça peut être drôle en vrai. Du coup, c'est parti. On commence par où? On va aller acheter directement les accessoires. Mais je sais pas c'est où pour aller. Là, je connais rien en fait, les gars. Les gars, là, dinguerie, comment il fait trop beau. Regardez. La dinguerie. Oh, la petite journée là, on va aller à la plage. Hein. Je suis censé me cacher, je vais aller à la plage. Objectif croisé de Joule. Marseille, normalement, il y a Joule là. Si j'arrive à voir Joule, je suis refait là. Putain, comment c'est beau les gars. Voilà, en vrai, j'ai rien vu là. Je suis juste en bas de la gare, mais il fait 30 degrés. Déjà là, c'est une dinguerie. Maintenant, il est 16h, donc je pense avant que tout ferme, j'ai 2 bonnes heures pour pouvoir me relooker, aller acheter des moustaches, une perruque, tout ça, pour être prêt pour demain. Et ensuite, on va identifier le lieu où on va se mettre. Et on va regarder un peu le passage parce qu'il faut qu'on prévoie l'arrivée de Michou. Tu vois, il faut vraiment qu'on fasse ça bien et limite voir si j'ai un peu de budget pour m'acheter une mini caméra. Parce que si je prends la grosse caméra que j'ai là pour filmer, ça va être. Il va me cramer direct. Bon, les gars, j'ai croisé un abonné qui m'a envoyé un message en DM parce que je voulais chercher une planque et tout. Il m'a dit viens à Marseille, tout ça. Du coup, je lui ai dit ok, je viens à Marseille. Il m'a dit si tu veux, on peut te déposer à un magasin pour trouver des costumes et tout. Du coup, il va carrément m'emmener et il m'a dit ouais, viens, on te dépose. Du coup, j'y vais, hein, je vais avec lui. C'est parti et let's go. Hein. C'est la première fois que je viens à Marseille, la plus belle ville du monde. C'est vrai que je connais pas trop. Et du coup, fallait que j'aille à quelque chose pour acheter des perruques, des moustaches et tout. Oh là là, les boss quoi, les abos. Oh là là, cette organisation quoi. On peut pas faire mieux. Bon, c'est carré ça. Bien ou quoi? Bon, du coup, merci hein, de m'avoir emmené ici. Je connais pas du tout. Il m'a dit, bon, les gars, il m'a dit, Inos, je connais un bon endroit pour te saper ou pour avoir des perruques. Partir en dedans. Let's go. Bonjour. Bonjour. Bon, go, hein, faut trouver des trucs. Hein. C'est ici du coup. Je me déguise bien. Faut trouver des perruques alors. Pour trouver une perruque et une fausse moustache, c'est possible ou pas? Oh là là, la dinguerie. Ok, lourd. Ah ouais, y a vraiment des trucs. Ah ouais, faut que j'en prenne une qui soit un minimum pas cramable, comme ça tu vois. Quand les trucs un peu blancs comme ça, je sais pas. Perruque, c'est où? Ah ouais, ok. Bon, ça va, ça coûte 12 euros les gars, donc en termes de budget je suis bien. Faut que je prenne un truc naturel. Ça, est-ce que c'est naturel? C'est naturel ou pas ça? Ouais, ça fait chauffer un peu. Hein? Ça fait chauffer un peu, non? Ça fait pas naturel? Je sais pas. Chauffer? Chauffer. Chauffer? C'est une expression française, marseillaise. Ah ouais? Ça veut dire quoi? C'est un peu... un peu. Ah, ça fait chauffer, ok. C'est quoi les expressions un peu à Marseille? Je sais pas, tarpin, ça veut tarpin. Dire. Tarpin, vous dites ça beaucoup ça? Ouais. Ok, c'est cramé ou pas? Ça s'est chauffé ou pas? Ça s'est chauffé. Ouais, ça, blond, c'est bien ça? Wow. En vrai, de manière, je pense que c'est la meilleure. Hein. Ça le fait les deux. Alors imagine moi avec comme ça. Les gars, ça le fait ou pas? Tu penses que ça va le faire ou pas? Je sais pas en vrai. Parce qu'en vrai, la moustache, est-ce que quand t'es blond, t'as une moustache comme ça? T'as une moustache blonde. Faut pas que ça soit cramé, que c'est un déguisement. Celle-là aussi, elle est bien. Ça, c'est mieux, non? Ça. Claude. En vrai, je pense que ça irait mieux avec la. Ça irait mieux avec les moustaches. Ouais. Hein. Je pense qu'on va partir sur Harry. Vous vous rendez compte, les gars? Il y a un abonné, il vient comme ça, comme si c'était mon ref sûr, comme ça, on se balade, on fait les magasins. C'est dingue. Chapeau. En fait, je pense que je vais acheter un vrai bob, tu vois. Genre, je pense que je vais faire ça et je vais aller dans un truc de ça avec des chemises et tout. Mais je vais acheter ça. Bon, les frérots, on va acheter ça sans plus tarder. J'en ai pour 20 balles. Que il me reste encore pas mal de thunes. Donc, en vrai, ça passe niveau budget. Là, je vais aller dans un truc pour acheter une chemise, un petit short, des petites chaussures ou claquettes. On fait ça. C'est parti, let's go, on passe à la caisse. Bon, du coup, les gars, là, on va prendre le métro parce que pour aller dans un centre commercial pour que je puisse acheter chemise, lunettes, tout, que je puisse aller dans un petit truc où il y a assez de matière. Il est beau le métro là, regardez. C'est une dinguerie ça. Bon, allez, c'est parti, let's go. Vous entendez ce bruit qui retentit? C'est le métro. Ne serait-ce pas le métro? Il arrive par où? C'est l'autre côté. Ah, c'est l'autre côté. Bon, les gars, on est arrivé vers le centre commercial. Vous rentrez dedans. On a un peu odeur de... Tu vois? Là, je sens la mer. Et ça, j'aime bien. Qu'à Paris, je l'ai pas. Et là, je sens les moules et tout, tu vois. Donc ça, ça sent bon. Je pense que le noir, il est bien moins voyant. Elle est moche, mais elle est d'art. Le but, faut pas que j'ai de flow là, les gars, parce que sinon il va me reconnaître, Michou. C'est bien ou pas? Ça passe, hein. Ça passe. Un petit truc comme ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, ça passe, hein. Franchement, les gars, je pense qu'on va partir là-dessus. Je le trouve en S et c'est bon. On a trouvé les lunettes, le short, le bob qui vient de tomber et la chemise. Est-ce que là, on n'a pas un.
un flot de vacanciers là. Marseillais, non, je suis marseillais. Bon, je pense pas qu'ils s'habillent comme ça au Marseille. Bon, les gars, on vient de sortir du HM. Moins 50 euros, j'ai payé 50 euros. Je vais vous montrer tous les tickets de manière quand j'arrive à l'hôtel. Oh, il me reste une centaine d'euros. Hein. Une 150, je pense qu'il doit me rester. Pour dormir, pour manger et pour me déplacer. Les gars, vous voulez voir ce que je suis en train de voir ou pas? Là, c'est bon, je suis en vacances, gros. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Il y a 4 heures, j'étais à Paris. Hein. Et là, il y a la mer en dessous. Là. Bon, les gars, on est arrivé au Vieux-Port. C'est ici que je vais me cacher demain matin. Où je regarderai Michou passer en train de me chercher. Donc, je trouve une vraie cachette. Tu penses qu'il y a une piscine à l'hôtel? Je pense pas, tu vois. Ah ouais, tu penses? J'espère que je vais bronzer un peu quand même aujourd'hui là. Je suis pas venu pour rien à Marseille là. C'est mignon, hein. C'est stylé de ouf. On sent vraiment les gars qu'on est dans le sud. Bon les gars, j'ai trouvé un hôtel, on va aller dans celui-là. Je m'en fous un peu, je sais pas s'il est bien ou quoi, mais on va voir déjà ça coûte combien. Normalement, en termes de budget, je suis large. Avec ce que m'a dit l'abonné, 350, il doit me rester 150 environ. Du coup, on a de quoi aller à l'hôtel. Je crois que c'est où? Entre hôtel, c'est là-bas. Du coup, on va aller voir. On s'en fout si, si l'hôtel est merdique, mais au moins on dort, tu vois. Bon, les gars, j'ai le seum, l'hôtel il est complet. Du coup, je dois en trouver un autre. C'est parti, je pars à l'aventure pour trouver un autre hôtel. Ça mange ou pas? Hop. Ah ouais, dinguerie. Ah ouais. Ah ouais. Vraie chambre. Ah ouais. Je dois ramener quelqu'un ce soir là. Non je rigole, j'ai même fait des espoirs. Bon les petits frérots, je suis bien installé confortablement au télo. Là on va un peu regarder tous ensemble le nombre d'argent qu'on a dépensé aujourd'hui pour pouvoir faire le voyage, manger tout ça. On a dépensé à H&M 45 euros. Déjà ça on ajoute à la cagnotte. On a dépensé perruque, moustache 19,40 €. Donc déjà on est à... Bon, allez on va arrondir 50, on est à 70. Déjà on est à 70 pour ça. Ensuite 117 l'hôtel, il fait une claque. Donc si on ajoute, on va faire un calcul à calculette hein. Je t'avoue que depuis que je vais plus en cours j'ai oublié mon cerveau pendant le confinement gros. Juste des petits calculs, j'arrive plus à les faire. Donc 20 plus 45 plus 120, j'arrondis en... Plus le McDo c'était 12 euros. On est à 200, on est à 197. Plus le Uber, pour aller de Webedia à la gare de Lyon c'était 30 euros. Donc ça fait 230 euros. Donc déjà on est à 230 euros. Plus le train 50 euros, on est à 280. Il nous reste 70 euros pour... Il est 18h30, on peut faire des petits trucs. Déjà on va garder 20 euros pour manger ce soir, pour se faire un bon petit plat. Là je suis chaud, je vais au skatepark et à la plage. Ok les gars, transition du futur dans 3, 2, 1. Bon bah voilà les gars, je suis en mode incognito. Est-ce que c'est cramé? Est-ce que ça se voit que c'est moi? Les gars là on dirait... Le mec il est vraiment un flou merdique là. Non en vrai on voit pas que c'est moi. Là est-ce qu'on voit... Là est-ce que j'ai l'air cramé ou pas? Est-ce que ça se voit que c'est pas moi? Genre si je suis comme ça, regarde hop, je me balade dans la rue là. Tu me vois comme ça, tu vois pas que c'est moi, on est d'accord les gars, je suis pas cramé. Par contre si j'enlève les lunettes, je suis un peu plus cramé. Mais là j'ai un petit flow, incognito, petite teinture. Notez mon flow là sur 20 là. Est-ce que je suis d'art, est-ce qu'on fait la photo Insta là? J'ai zéro flow mon frère, c'est chaud. J'enlève les lunettes, et là ça se voit ou pas? Là quand j'enlève ça, ça commence à se voir. Limite là ça se voit pas hein, que c'est moi là. Regardez, je me regarde au retour de caméra. Tu vois les cheveux je trouve ça le fait stylé. J'essaierai de les mettre bien, et quand j'enlève le bob... T'es ma Madex. Grosse coupe au bol. Grosse coupe au bol sa mère. Sinon en vrai de vrai les gars, à H&M je critiquais la chemise. Mais je trouve qu'elle a un petit flow, elle a un petit truc quand même cette chemise avec les palmiers, ça fait vacances. Je pense que je vais la garder quand même après cette vidéo Alida. Mais du coup voilà, on a notre petite dégaine incognito. J'espère qu'elle est bien, elle est pas cramée. Je pense qu'il va pas cramer, en fait il va pas s'attendre à ce que je me déguise je pense. Et ça c'est lourd, dégaine incognito tout ça. On va pouvoir partir à la plage, faire au skatepark et réfléchir un peu encore aux petites énigmes si je garde celle-là ou pas. Et sur ce c'est parti, let's go. Les gars il me reste une batterie pour tout Marseille. J'ai oublié mon chargeur de... Oh non. J'ai oublié mon chargeur de caméra dans le train. Oh mais... Pourquoi je suis con? Mais pourquoi je suis con? Impossible, j'ai pas perdu frère. Non. Mais non. Mais non, mais c'est trop. Pourquoi tu fais ça à moi le train? Mais putain. J'ai trop le seum. Je savais que j'avais oublié un truc dans le train, je le sentais. Putain. Oh j'ai trop le seum. Je peux pas recharger ma caméra, j'ai paumé les batteries. Ça veut dire que là j'ai une batterie pour demain matin et là. Ah mais non mais elle est... Oh. Oh mais je suis entêbé. Je crois que je deviens fou les gars. Je tourne la tête pour me dire est-ce qu'elle est peut-être branchée là. Frère, c'est mon subconscient ça. Gros putain de ça. Non mais frère. Bon bah les gars, je suis à côté de la plage à Marseille. Il y a un petit skatepark donc on va aller faire un tour. Si jamais je croise un abonné, j'essaierai de prendre sa planche et de faire un petit truc, m'entraîner un peu à skater avec les abos. Que j'ai rien à faire. Bon les gars, j'ai croisé des abos. Ils vont faire une figure de ouf en vidéo là. Viens. On peut prendre une photo? Vas-y, je suis. Y a qui me fait un truc de ouf? Il va naître ça. Il fait des vraies figures. Ouais. Ouais, bah là on fait un cache-cache dans toute la France. Je suis venu me cacher à Marseille. Ouais. C'est vrai. Et Michel vient me chercher demain. Il va galérer, il va faire toutes les villes de France sauf Marseille. Il va être ça. Il monte.
Bonjour. Wesh le ref, ça va ou quoi? Bon, moi j'ai appris un truc quand j'étais petit. Est-ce que je le fais bien? Comment, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment tu fais? Quand t'arrives à le faire là, vas-y fais-le pour monter. Ah ouais. Ok, on fait quoi si je le mets du premier coup, les gars? Le cratère est notre sac pendant 3 mois. Attends, je vais tester. Voilà. C'est bien ou pas? J'ai mis first try, gros. C'est bien. Le cratère est notre sac. Pourquoi je vais monter plus haut? Ok, si j'y arrive, je suis un monstre. C'est parti. Oh. Allez, comment tu retombes dessus après? Mais même moi j'arrive pas à le faire, il l'a fait une fois, il a pas eu la réussite. Eh, c'est dur hein. Bon bah c'est fini pour cette session skate les gars. Dans les commentaires si vous voulez que j'apprenne à faire du skate. Je vous avoue que les gars, l'eau elle est un peu froide. Quand je la touche comme ça, elle est un peu froide, j'ai pas trop envie de me baigner. Mais je vais me poser comme ça. Je vais voir si je peux pas trouver un petit truc, je me prends une canette et je me pose au bord de l'eau comme ça, tranquille. Et voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Pour l'énigme, je vous redis peut-être parce que j'ai peut-être trouvé un truc, regarde, j'ai trouvé. Pour que ça soit un peu plus facile, je vais mettre ville de Beauparleur. Demande à la bonne mère ton indice, t'es fada si tu me trouves. Est-ce que c'est carré? En vrai, c'est le Hubert, il m'a donné la petite idée. Il m'a dit, il faut que tu cales des mots un peu marseillais. Et je lui ai dit, ouais, tu connais un petit truc? Il m'a dit, ville de Beauparleur. Et du coup, après, on a un pro et tout. Du coup, ville de Beauparleur, demande à la bonne mère ton indice. Ça sera le premier indice de Michou. On lui lâche demain à 8h du mat. C'est parti. Des gros bisous tout le monde, bonne soirée. Peut-être que je vais rouvrir la cam ce soir, je sais pas. On va voir ça selon ce que je fais. Voilà, je vais me poser un petit peu à la plage. Let's go quoi. Allo, allo. Ça va ou quoi le frérot? Ça va et toi? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Bah moi gros, j'étais chill chez moi, tranquille. J'ai fait un petit live et tout, carré. Mais gros, je t'avoue, moi j'étais en vacances. Hein. Ah ouais, là t'étais en vacances. Hé hey, gros, j'ai rien foutu de la journée. J'ai préparé tout, ma cachette, comment je vais gérer demain quand t'arrives. Et voilà. Ah ouais, t'es tranquille toi, t'es bien. Là tu sais où tu dors ce soir? Honnêtement, la cachette. C'est une cachette bien, mais c'est un risque. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai hâte de. Ah, gros, j'ai hâte de. J'ai tenté un truc quoi. Vas-y le frérot, bah à demain. Hein. Vas-y, bah à demain gros. Bonne chance gros. Franchement, j'ai hâte de demain être trompé là. Le moment où on va se voir gros, je vais taper des barres. Il m'a l'air franchement j'ai hâte de voir sa cachette. J'ai hâte de voir sa cachette parce que il a l'air vraiment fier de sa cachette et ça a l'air dinguerie. J'ai trop hâte les gars d'être demain et d'être en face de lui. Le moment où on va se voir, on va taper une barre, c'est sûr. Bref, bah du coup les gars, moi pareil hein, là je suis chez moi, du coup je vais faire une petite soirée comme d'hab, tranquille. Et on se revoit demain matin nous. Mais gros, mais je suis un teubé, mais je suis trop con. Je suis trop con. Bon, c'est pas grave. De toute manière, il va savoir quand il va savoir le premier indice à Marseille, il va savoir que c'était à la plage, tu vois. Mais du coup, ça va lui mettre le doute que c'est à la plage, alors que c'est pas forcément à la plage parce que ça va être dans le lieu où il y a vraiment beaucoup de gens dans Marseille. Du coup, c'est un indice, mais il va se dire, il m'a dit à la plage, donc il est caché à la plage, tu vois. Donc, tu vois, c'est lourd. Bon, bonne soirée à tous. On se voit demain. Sur ce, bonne nuit tout le monde. Je vous dirai combien j'ai payé le resto, mais vous inquiétez pas, je dépasse pas. Il est actuellement 8h et je viens de lâcher le premier indice pour Michou. Moi, je vais me rendormir après. Indice numéro 1, ville de Beauparleur. Demande à la bonne mère ton indice. T'es fada si tu me trouves. Du coup, ça, c'est pour qu'il devine que je suis à Marseille. C'est parti, je le mets dans maintenant. Let's go. Allez, c'est parti, les petits frérots. Je vais m'endormir. Yo les gars, ça y est, il est 9h, la chasse au trésor peut commencer. Le cache-cache peut enfin commencer les gars, on va chercher Inox. Vous vous rendez compte que là, je vais devoir le trouver. Il peut être n'importe où dans toute la France, c'est incroyable. On va aller voir sur Insta l'énigme qu'il a mise. Je vais essayer de la trouver moi-même. Au pire, si je trouve pas, je pourrais demander aux abonnés. Bref, c'est parti, Instagram. Ville de Beauparleur demande à la bonne mère son indice. T'es fada si tu me trouves. Quoi? Attends, quoi? Ville de Beauparleur demande à la bonne mère ton indice. T'es fada si tu me trouves. Alors déjà, attendez. Déjà, t'es fada, expression du sud. T'es fada, c'est une expression du sud. Donc déjà, il est dans le sud. Il est dans le sud, c'est sûr. Demande à la bonne mère si tu me trouves. Je pense vraiment qu'hier, il a fait une gaffe. Je pense qu'hier, quand il m'a appelé, il a fait une gaffe en me disant ouais, quand tu me trouveras, après on ira à la plage. C'est sûr, il a fait une gaffe. Demande à la bonne mère si tu me trouves. C'est qu'il est près de la mer. Je pense que c'est ça. Et après, le début, c'est quoi? Le début, c'est ville de Beauparleur. Une ville près de la mer. Une ville dans le sud, près de la mer. Bande ville de Beauparleur, je comprends pas. Comment ça, ville de Beauparleur? Ville de Beauparleur. Attendez les gars, j'essaye de réfléchir. Je vous jure, j'essaye de réfléchir, mais je comprends pas. Ville de Beauparleur. Attends, mais je suis nul ou quoi, gros? Ville de Beauparleur. Pourquoi ville de Beauparleur? Mais les gars, je connais pas. Je sais pas, ça doit être l'histoire. Ça doit être par rapport à l'histoire d'une ville, un truc comme ça. Mais y a pas un jeu de mots caché, genre? Donc, je vais aller voir sur Instagram parce que les gars, sur Insta, vous êtes à fond. Vous êtes à l'affût sur Insta. Donc, je pense qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit sur Insta, c'était laquelle la ville? C'est sûr, il y a déjà des gens, vous avez trouvé l'énigme et vous me l'avez
envoyé sur Insta. Donc je vais aller voir dans mes DM. Inox est à Marseille. Oh, oh, attendez. C'est ce que j'avais dit à la base, hein. Moi à la base je pense, moi je pense Marseille les gars. Je pense Marseille. Oh là là, Inox est à Marseille 100%. Les villes de beaux-parleurs, les Marseillais. La bonne mère et Fada, c'est de Marseille, c'est sûr. Sur Insta, vous avez l'air archi nombreux à me dire qu'il est à Marseille. Il y en a un, il a dit une ville de beaux-parleurs, c'est les Marseillais. Donc ça veut dire que, dis Siri, quel temps fait-il à Marseille? Il y a un ciel dégagé et il fait 24 degrés actuellement à Marseille. Attendez-vous un peu de nuages. Plein soleil, gros, il fait plein soleil. Oh là, les gars, mais attendez, mais on va à Marseille. On va à Non, mais attendez, on va à Marseille. Je vous jure, je n'ai jamais été à Marseille de ma vie. On va à Marseille. J'ai jamais été à Marseille de ma vie. Allez, c'est parti. On va chercher Inox, les gars. J'ai préparé mon petit sac et tout. On y va, c'est parti. Direction le Uber. Regardez ce qu'il m'a répondu, Michou. Il m'a dit, je sais pas, tu m'as fait douter quand même, bâtard. Ah putain, bâtard, il a vu que j'étais à Marseille. Bon, les gars, il arrive, il m'a dit avion midi 45. J'arrive à 14h10. Donc, c'est parti. Je vais me coiffer, je vais m'habiller, tout ça. Et let's go. Petit frérot, à l'aéroport. Regardez, on vole pour Marseille. Mon vol pour Marseille, il est juste là. C'est carré, on part de Paname. On va rejoindre Inox à Marseille, en espérant qu'il y soit d'ailleurs. Inox, toc, j'arrive, mon petit pote. En fait, j'ai l'impression d'aller en vacances. J'ai pas l'impression de faire un cache-cache. J'ai l'impression de partir en vacances. Une dinguerie, les gars, on prend l'avion, on va à Marseille. Je suis dans l'hôtel, donc là bon, je viens de finir, je viens de rendre la chambre, tout ça. Et du coup, j'ai ouvert un peu l'Instagram de Michou. Du coup, on va regarder ce qu'il a mis, parce que je pense qu'il a dû trouver l'indice. Voilà, là, ça fait 2 heures, tu vois, je me suis rendormi et tout. On va voir un peu ce qu'il a mis dans sa story. Alors, il a mis quoi? Les gars, on est d'accord, Inox il est à Marseille. Dites-moi oui ou non si vous êtes d'accord, mais je pense que oui, parce que demande à la mer, ça veut dire que c'est près de la mer. Hein? Attends, c'est comme ça qu'il a deviné, alors que de base, la mère, mais... Non, mais il est con. Non, il l'a fait exprès. Pas possible. Oh non, la bonne mère, c'est l'église de Marseille. Il a cru que je parlais de la mère. Non, en vrai, ça l'a aidé, en vrai. Tiefana, expression du sud. Ouais, ça c'est facile. Yes, il m'a niqué. Là, bon, en vrai, lundi, j'ai été sympa, les gars, parce que déjà, il doit partir loin. Et là, il est déjà dans l'avion et tout. Pouah, là, il arrive dans l'avion. C'est-à-dire que moi, là, je suis même pas encore habillé. Il va prendre, je pense, 2 heures pour arriver. Donc, que j'ai fait? J'ai appelé l'abonné et j'ai élaboré ma stratégie. Il y a un problème dans ma stratégie. Regardez. Vous voyez, ça va me porter préjudice. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? L'abonné m'a envoyé un message. Il m'a dit ce que t'as besoin de moi aujourd'hui. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, oui, j'ai besoin de toi, mon frérot. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes avec un pote? Pourquoi un pote? Parce que pour pas que Michou, pour que je passe incognito, faut que je parle avec quelqu'un. Du coup, je vais me mettre à côté de quelqu'un dans la rue, comme ça. Je vais me mettre avec un mec. Je vais parler. Ça, c'est son pote. L'autre, l'abonné, il va tenir la caméra pour filmer de loin, pour avoir Michou qui passe devant moi et tout. En même temps, je filmerai avec mon téléphone. Du coup, tout est stratégique. Je filmerai avec mon téléphone. J'appellerai Michou. Bref, en tout cas, on va élaborer la stratégie. J'attends les abos qui arrivent bientôt. Il va me ramener une paire de claquettes. Comme ça, au moins, bah, on est carré. Il nous reconnaîtra pas. Et une dernière idée, un stylo feutre. Je vais demander de prendre un stylo feutre. Pourquoi un stylo feutre? Parce que je vais me mettre un grain de beauté là. C'est peut-être le truc qui fera la diff. C'est peut-être le truc qui fera la diff. Bon, du coup, il y a les abos. Là, ils nous ont rejoints. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les changer. On va chercher l'indice pour Michou. Parce qu'il faut que je lui donne un deuxième indice dès qu'il va arriver à Marseille. Dur. Ouais. Pas trop facile. Pas trop facile. Parce que là, il a eu de la chance. Il est arrivé vite à Marseille, tu vois. Et ensuite, une fois qu'on aura pris l'indice, on ira changer. En plus, c'est des vraies claquettes de Marseillais, gros. Mais attends, mais gros, tu fais du 48. C'est des claquettes de daron. Des claquettes du daron là. Et ouais. Je peux même pas marcher là, tu vois. Mais gros. Est-ce que là, déjà, ça, mon style, il va. Mais gros, elles sont trop grandes, ça. Elles sont trop grandes. Putain, gros, déjà là, je vais marcher dans Marseille. On va me juger. Ça fait stylé ou pas? Attends, le Bob. Ça, c'est le Bob qui va tout changer. Est-ce que là, ça va? Est-ce que ça ressemble à moi ou pas là? J'ai pas mis la moustache parce que ça faisait trop costume, tu vois. Là, est-ce que ça fait passable ou pas? Oui, 24, t'es instant. Mais là, je vais être comme ça, tu vois. Je vais être en mode assis comme ça. J'aurais juste mon tel. Notez mon flow là, les gars. Go se cacher, les gars. En tout cas, les gens, ils me regardent chelou. Les potes viennent d'arriver. Et ils savent comment accueillir les Marseillais. Hein. Ce panneau, il donne bien envie, gros. Il donne envie d'aller à Marseille. Bon, du coup, les gars, là, je vais appeler Inox. Je vais appeler Inox pour lui dire que je suis bien arrivé à Marseille, qu'il peut balancer le deuxième indice. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre un taxi pour aller directement dans le centre de Marseille. Parce que je pense qu'il doit être caché dans un secteur là-bas, dans le centre de Marseille. J'ai mis indice secteur. J'ai mis ici. Et en fait, c'est là-bas, là. Tu vois? Là, en gros, je vais prendre un taxi pour Marseille Centre et après je vais chercher, je vais demander aux gens dans la rue, à des abonnés ou quoi, s'ils connaissent. Ok, vas-y, on fait ça, Mich. Vas-y. Attends, j'ai une question, je suis à Nice, c'est bien à Nice. T'es à Nice? Ouais. Parce que j'ai vu sur Insta, t'as mis une photo, c'est trop bien Nice. Eh gros, j'ai pas de problème, dis-moi que t'es à Marseille. Mais je rigole, bien sûr que t'es à Marseille. Je rigole, gros.
Tous les gars, on vient d'appeler Inox et il vient de m'envoyer l'indice. Il vient de m'envoyer le deuxième indice, le secteur. Donc je vais regarder. Attends, il saoule ma gueule là. Quoi? Attends, mais c'est pas un indice ça. Sa photo elle est floue. Ok, bon bah les gars, moi je connais pas, de toute façon c'est normal, je connais pas Marseille. Ce qu'on va faire, c'est que là je prends un taxi dans le centre de Marseille, je sais pas où. Et une fois que j'arrive à Marseille, demande à des abos ou quoi si je les croise dans la rue, si vous connaissez cette photo. Allez, c'est parti, on est dans le taxi. Marseille, on arrive. C'est bon les gars, on est à Marseille, regardez nos vieux ports, c'est une dinguerie. Hein. Je cherche Inox là. Je dois chercher. Mais t'as bien l'air, sûr, vu frère. Ce matin. Ah ouais? Ouais, je joue. Tu l'as vu? Ouais. Mais non. Putain, du coup là t'as vu Inox et moi. Nous on a vu Inox, j'ai gagné. Ah ouais. Le jeu je l'ai gagné non. Bah ouais, tu l'as trouvé gros GG. Attends, on est avec un abo qui l'a vu il y a genre 30 secondes. Ouais, il y a 30 secondes. T'es une blanche, canne et Il a une canne. Ouais, une canne. Et il a une perruque noire. Ah, Milon, Milon, ouais. Mais ouais, ah, genre, il s'est déguisé. Genre, il s'est déguisé. Ah, le bâtard, mais Inox, t'as cru t'allais me niquer comme ça, mais frérot, ils sont là pour me donner les infos. T'as oublié ça. Regardez Michelot, c'est bon. On est des poucas, c'est bon. C'est ça, gros. Mais les gars, on va se mettre sur une terrasse comme si j'étais en train de boire et tout pour pas que ça soit cramé. Et en fait, nous, on va le voir passer parce qu'en fait, l'indice que je lui ai donné, est juste. On va le voir passer plusieurs fois. Pas qu'il me crame. Du coup, c'est parti. S'il me trouve, il est trop fort. Parce que je vais lui donner des indices stylés, tu vois. Genre, je vais prendre une boisson et je vais faire pour le son, tu vois. Ouais. Oh là là, c'est parti, let's go. Parfait, parfait. Et du coup, l'amigo, il va se postiche là-bas, au bout, et il va filmer tout. Là, il est là. Il y a Michou qui est juste devant, il est passé juste devant, il a rien vu. Il y a des abonnés qui m'ont dit. Bon les gars, en fait là on est avec plein d'abos, on est en train de rechercher Inox avec plein d'abos gros. Et il y a Inox qui m'appelle. Allô. Allô Michou, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il était beau le miroir ou pas? Le miroir? Quel miroir? Miroir, je t'ai vu passer à côté. Tu m'as vu? Ta gueule. Jure, tu m'as vu. Mais attends Inox, elle est bien ta petite perruque ou pas? Oh le fils de... Ah, on m'a dit gros. Y'a des gens qui ont balance. Oh non. Oh le bâtard, il m'a vu dans le miroir. Bon les gars là en fait y'a Inox quelque part. Il m'a vu dans un miroir ou je sais pas quoi les gars, je sais pas. Mais là là. Ouais là. Ah, il est quelque part là là. Il m'a vu dans ce miroir là. Oh le bâtard. Il a une perruque noire et une canne. Il m'a vu dans ce miroir les gars. C'est un sniper. Il a dû, comme il sait que je suis pas loin, il a dû essayer de se barrer. Mais mec, c'est à ce moment-là, on l'a encore raté. Hein. Comme je sais qu'il est déguisé et tout, il doit flipper et il doit se balader. Il doit pas rester dans une cachette fixe. Il doit être en train de se balader. Attends, mais la photo, en fait, c'était ça, les gars, qu'il a pris en photo. Ah ouais, mais frère, comment tu voulais que je reconnaisse ça? Déjà que je connais pas Marseille, il m'envoie ça, mais c'est un baiser, lui. Il m'a envoyé, j'ai cru que c'était un drapeau tellement c'était. La photo, frère, c'était Minecraft, il y avait 3 pixels. Je crois qu'il est... Il est tout seul, hein. Ouais, il est tout seul. Vous croyez vraiment il est dans cette camionnette blanche là au milieu de la place? Là ou là, il y a deux camionnettes blanches, c'est... là, deux camionnettes. Pour moi c'est impossible. S'il a fait ça, il est trop fort. Parce que il a pas le permis, wesh. C'est la camionnette à ton père ou quoi? Mais arrêtez d'ouvrir, wesh. Mais eux ils ouvrent comme si c'était... Comme si c'était chez eux. Mais arrêtez, wesh. Mais ils sont en train de carjack la camionnette. Mais y a personne dans la camionnette, les gars. Vas-y, en gros, là, vous avez trois Michou... Michou avec trois, là. Il va prendre sa caméra. Vous avez 3 Michou, genre vous allez faire genre 5 micro trottoirs. Voilà, en fait, tu leur dis de poser des questions en mode. Vous posez des questions en fait, hein, genre micro trottoir. Non, tu lui dis, juste. Attends. Il doit juste demander une question. Quelle question il pouvait demander? Tu poses une question. Michou, on a vu que t'étais à Marseille, on n'a pas trouvé Inox. On t'a vu à Marseille, on n'a pas trouvé. Est-ce que t'as déjà. T'as déjà fait ta première fois en France? T'as déjà fait ta première fois. Est-ce que t'as déjà fait ta première fois, Michou? Il a dû enlever sa perruque. Mich. Il y a une personne là-bas avec une canne. Arrête. Des cannes. Tu vois un mec avec une canne? Il est là, il est là. Ah ouais. Mais non, mais c'est un vieux ça, c'est pas... Tu crois que c'est Inox? Attends. Si ça se trouve, c'est pas lui les gars. Mais c'est pas Inox. C'est un vieux d'abord. Est-ce que tu peux passer dans ma vidéo s'il te plaît? Mais les gars, c'est pas Inox ça. Vas-y, attends. Salut Michou, aujourd'hui on aimerait que tu passes dans notre vidéo, ça va ou quoi? Bah ça va et vous les gars? Ça va, hein, tranquille. On voudrait savoir si t'as déjà fait ta première fois. Ah ouais, ça arrive comme ça. Y'a pas de. Les gars, c'est sa vie privée, wesh. Alors? Oui ou non? Non. Ah. Du coup, le micro-trottoir est en place. En fait, c'est vraiment un cache-cache-trottoir, tu vois. J'avais pas envie de me cacher dans une poubelle et attendre ou un truc comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, pour le premier épisode, on va essayer de tenter, tu vois. Si ça marche bien, déjà, on a fait tourner dans tout Marseille alors qu'il ouais, est passé juste devant nous. Ça, c'est drôle, wesh. T'as mis bien, wesh, voilà. Ça va? Il a une trompe derrière lui, il essaye de me trouver. Il y a un indice ou pas? Bah à la base, il y a l'indice vocal. Tu veux faire la main, attends.
Vas-y, envoie, montre. Bah, fais-le là, là. Vas-y. Ok, t'es à côté d'un restaurant. On va te trouver, gros, on va te trouver. Ah, c'est là, c'est à côté, on va le trouver maintenant. On est d'accord, on a entendu des chins. Ouais, ouais, c'est là, c'est à côté. Ouais, il a chin avec des verres, quoi. Il est au resto là, là, c'est sûr. On est de mon côté, chin. Business is business. Hein. Inox tag! Allô? Attends, c'est Inox là? Mais attends, mais je comprends rien, frère. Mais attends, mais tu m'appelles avec le tel d'un abonné là. Mais attends, mais. J'ai mon mini. Vas-y, vas-y, tiens, attends. Je comprends rien, les gars. Le passeport sur le rouille, c'est bon. Elle est là, sa caméra. Attends, mais il est maquillé. Il est... Ah, mais c'est la caméra Inox qui est là. Ouais, t'as la caméra Inox? Qu'est-ce que tu fous avec la caméra Inox? C'est sûr, c'est la sienne. Mais bien sûr que c'est la caméra Inox. Mais je la connais. Inox, frère. Attends, mais. Je sens le prank. Mais en fait, il y a des abonnés là. Mais attends. Mais toi, attends, attends. La question que t'as posée. En fait, c'était pour la vidéo Inox. C'est ma caméra. C'était pas un micro-trottoir, ok. Mon ton historique. J'ai compris. Voilà, ah, c'est ta caméra. En fait, ils sont en train de me faire depuis le début, là. En fait, depuis le début, ils se foutent de ma gueule. Ouais, depuis le début. En fait, depuis le début, tous les abonnés, là, vous êtes avec Inox. Mais pas du tout. Et en fait, tous autour de moi pour que j'arrive pas à chercher. Exactement. Ok, bien joué. Et bah maintenant, vous allez dégager parce que là, c'est relou. Frérot, là, il va falloir qu'on trouve parce que je commence à en avoir marre. Il fait chaud, là. Depuis tout à l'heure, on se balade en plein soleil. Ouais, ok, je vais donner la perruque à Labo, il va la mettre et il va courir devant Michon. Ça va être un peu le kamikaze. Cours comme un ouf. Attends, mais frère, mais qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'était la perruque à Inox. Ouais. T'as c'est moi, Alexis. Aussi, toi. Non, ça, c'est lui. Ah, c'était toi, Alexis, là? Ouais, c'est moi, Alexis. C'était à toi, le téléphone. Je sais pas, Dieu, il est là, on a la façon de chercher. Mais frère, moi, je te dis, t'étais chaud. Attends, t'es arrivé de là-bas, là. Il est arrivé de là-bas. T'étais chaud, moi, je te dis. Quand je suis parti là-bas, il y a un mec qui est venu de là-bas, là. Oui. Vous êtes de là-bas. Ouais, ça va, et toi? Chill, on est temps. Vas-y, on prendra, t'inquiète. Je l'ai vu, il est là, là. Mais non, il est pas là. C'est un complice Inox, quoi. Inox, il a trouvé des complices. Allez, toi, on l'a vu, on l'a tous vu, mais je te dis pas. Arrêtez, là, vous l'avez tous vu. Je te jure, on l'a tous vu. Ah oui, on l'a tous vu. On l'a tous vu. Ça fait 20 minutes, on l'a. Mais attendez. Ah, mais c'est lui. Mais non. Mais non. Mais attends, mais gros. Mec, attends. Mec, là quand je suis passé, j'étais mort. Je t'ai vu, je t'ai analysé de haut en bas, j'ai fait c'est pas lui. Mais non, mais gros, je t'ai vu, je t'ai analysé. Ça s'appelle dégueu. Mec, mais je te jure, mec, c'est exactement ça, frère. C'est incroyable. Le truc là, et même le bob, le bob, frère. Quand je t'ai vu passer, j'étais comme ça. Macari ou pas? J'étais mort. Mais j'étais mort. Mais j'avais des complices, hein. Mais là, tous les abonnés, ils étaient là. L'interview, c'est ma caméra, gros. Mais oui, j'ai compris après. Eh, tu dois avoir la haine. Et c'est, mec, un moment tu m'as dit, je t'ai vu au McDo, mais c'est impossible. Mais si, mais gros, j'avais la caméra, il m'appelait et tout, il me disait, y'a Michou au McDo, je te voyais, quoi, je voyais. Pour ça, j'ai dit, j'ai 8 yeux, j'avais 4 abonnés, il y en a plus, j'avais. Ah, mais j'ai compris, le j'ai 8 j'avais yeux. J'avais la perruque de base. Et en fait, je lui ai dit, prends la perruque, tu cours, comme ça, tu vois, tu veux plus capter. J'ai 8 yeux, j'avais 8 ans, j'avais 4 abonnés. Il est niqué. Les frères, il avait des coups. Bah, GG, les gars. Non, bah, GG. Je te dis la vérité, j'en peux plus. Ah mais gros, tu... ça fait une heure. Bah, venez, les gars, ça fait une heure, je tourne en rond en plein soleil, j'en peux plus. Ça se trouve, il est mort, gros. Bon, bah les gars, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On est venu à Marseille, ça fait plaisir de voir la commune à Marseille. Mec, les Marseillais, vous êtes... Et on leur dit, il y a coronavirus, ils se collent à nous. Ils en ont rien à battre. Ils en ont rien à battre, gros. Mais regarde, en tout cas. Mais ouais, non, mais les gars, arrêtez, wesh. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Demain, épisode 2 sur la chaîne de Michou. Il ne sait pas faire mieux qu'une heure 30. Sur ce, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu. Abonnement, Inox Tag, wesh. Ouais, voilà. Créateur Inox Tag. Hein. C'est barré, Michou, je suis là, moi. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Michou, ma chaîne. Sur ce, on se voit bientôt. Activez la cloche. Ciao, les gars.